Pourquoi ? C'est quoi ? Raconte-moi l'espace. Comment ça marche ? Comment ça marche ? Raconte-moi l'espace. Top. Et décollage. Bonjour, je m'appelle Capucine et je voudrais savoir comment se créent les étoiles filantes. Je m'appelle Olivier, je travaille au CNES, je suis ingénieur et avec mes collègues du CNES et avec des astronomes du monde entier, nous construisons des satellites que nous envoyons dans l'espace pour observer l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile filante ? Une étoile filante, c'est un petit point lumineux qui traverse le ciel à toute vitesse, mais en fait, c'est pas une étoile. Une étoile, c'est une grosse boule de gaz en feu très 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 loin de nous, comme le Soleil, mais encore plus loin, alors qu'une étoile filante, c'est un tout petit grain de sable qui traverse l'atmosphère juste au-dessus de notre tête à toute vitesse. Pas très loin, juste au-dessus des nuages, au-dessus des avions, et qui brûle dans l'atmosphère. Pourquoi ce petit grain de sable qui arrive de l'espace brûle-t-il dans l'atmosphère ? Parce qu'un grain de sable, ça ne brûle pas. Mais en fait, il brûle parce qu'il frotte très fortement dans l'air. Si tu frottes tes mains l'une contre l'autre très très fort et très très longtemps, tu vas sentir que tes mains, elles commencent à chauffer. Si tu continuais pendant très très longtemps, tu pourrais presque te brûler même. Eh bien, un petit grain de sable, c'est pareil. Il arrive de l'espace dans l'atmosphère avec une telle vitesse que simplement le fait de se frotter dans l'air, ça le fait chauffer, ça le fait brûler. C'est pour ça qu'il émet une très forte lumière. Il arrive des milliers de fois plus vite qu'un avion de chasse. À la vitesse à laquelle il arrive, il traverserait Paris en une seconde. Et c'est donc ça qui donne l'impression d'une étoile filante, parce qu'elle file dans le ciel. Alors d'où viennent ces petits grains de sable qui rentrent dans l'atmosphère ? En fait, ils viennent de comètes. Les comètes, ce sont des gros cailloux dans l'espace qui se déplacent et qui ont tendance à perdre de la matière. Ils perdent une partie de leur poussière, justement, qui reste derrière eux dans l'espace. Et la Terre qui se déplace dans l'espace, qui tourne autour du Soleil, eh bien, chaque année, elle traverse des nuages de poussière qui ont été laissés là par des comètes il y a très longtemps de ça. Et est-ce qu'il en tombe beaucoup des étoiles filantes sur Terre ? Eh bien oui, il en tombe chaque année l'équivalent de 200 gros camions. 200 gros camions, on pourrait remplir une partie de la Seine à Paris avec ça. Mais finalement, par rapport à la Terre, c'est très 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 peu et c'est pas ça qui va faire grossir la Terre. Alors comment faire pour voir une étoile filante ? C'est pas si facile que ça. Il faut s'installer confortablement pour regarder le ciel la nuit et ne pas le quitter des yeux. Parce qu'on n'en voit pas toutes les 30 secondes des étoiles filantes. Parfois, il faut attendre plusieurs minutes pour en voir. Mais il faut pas quitter le ciel des yeux. Parce que ça va tellement vite que si tu détournes les yeux pendant une seconde, tu peux en avoir raté une. Alors il faut s'installer par exemple au mois d'août. Le mieux c'est entre le 10 et le 13 août. Par une nuit bien noire, c'est les vacances, on peut se coucher tard, il fait pas froid. Il faut s'installer en famille, dans le jardin et regarder le ciel. Et en regardant le ciel pendant 10, 15 minutes, on peut papoter avec sa famille, on peut voir des étoiles filantes. Les Grecs anciens, il y a 2000 ans dans l'Antiquité, connaissaient les étoiles filantes, ils les regardaient. Ils pensaient qu'à ce moment, les dieux étaient en train de regarder vers la terre. Et donc, ils avaient pris l'habitude de faire un vœu en pensant que leur vœu sera entendu des dieux. Alors, la prochaine fois que tu vois une étoile filante, pense à faire un vœu. C'était les explications de Olivier Lamarle, responsable du programme Sciences de l'Univers, au CNES. C'était « Raconte-moi l'espace », le podcast du CNES qui répond aux questions scientifiques et spatiales des enfants petits et grands.